Bon, là, j'ai 1 heure pour pas une séance d'eau, bulk day. On va faire les choses bien. Par contre, je suis très fatigué. Mon rythme de travail de la semaine l'a changé. J'avais fait 1 mois et 1 semaine du soir au travail. Donc, je faisais du 13h-20h. Là, j'ai commencé à 6h. Donc, je me suis réveillé à 4h30, tu vois. Je suis parti au travail, je travaillais. Je suis rentré à 13h, je fais une sieste. J'ai mangé. Et je suis très fatigué, tu vois. Parce qu'en vrai, je n'étais pas habitué à ce rythme-là. Du coup, séance d'eau, on va en voyant faire les choses bien. J'ai fait un peu de traction au début avec mon casque pour bien me chauffer et être prêt. Et puis voilà, hein. Je suis conscient que je peux envoyer des grosses charges parce que franchement, je suis fatigué. Et ceci pour te montrer que il y a des séances que tu fais quand tu changes de rythme de la semaine ou quand tu es fatigué. Et bah, tu peux être à fond tout le temps, tu vois. Je sais d'avance que c'est une séance que je vais pas aimer, je le sais. Mais au moins, je vais envoyer, ok? Je vais envoyer et le plus important, c'est d'envoyer. Il faut envoyer pour qu'on fasse les choses bien parce que c'est important. Premier exercice, oiseau haltère. On va commencer avec l'arrière des épaules qui est très oublié. Donc, oiseau haltère en prise pronation pour juste les sentir. Je vais faire 20 répétitions. Après, oiseau haltère en prise neutre directement. Ça travaille l'arrière des épaules, mais aussi le dos. Mais j'ai vraiment envie de focus l'arrière des épaules. Donc, ouais, 20-20 peut-être. 20-20 reps. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Parfait, parfait. Je vais prendre un temps de repos très rapide. Une petite minute, le temps de déplacer la caméra. Et après, je repars direct. Parce que le problème, c'est comme je suis fatigué, je sens que dans ma tête, j'ai pas envie de m'entraîner pour relancer mon corps. Et comme je connais bien mon corps, je dois le mettre tout le temps en activité. Parce que là, mon corps, là, il est pas prêt. Il est vraiment pas prêt. Allez, deuxième, c'est parti. Pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comment? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Oh. Neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. J'aime bien cet angle-là, la caméra, là, il est cool. Là, tu vois, dans mes séances, je suis obligé de mettre du rythme, je vais mettre de l'intensité, je suis fatigué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour faire les choses bien, on est là pour s'arracher, on est là pour faire une bonne séance, malgré tout, même si au fond de moi, je sais que c'est pas la séance que je voulais faire, mais je vais envoyer. Je vais envoyer, on est là pour envoyer en priorité. C'est important. Il manque une dernière série. Et après, on passe à l'exercice 2. Sur ce programme-là, je vais tourner sur du 3 séries par exercice. Pronation. Dernière, on fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comment? 17, allez, 18, 19, 20. Oh, neutre. Comment? Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Ok, parfait. On est bien. Ça a fait un deuxième exercice d'échauffement pour moi. Et franchement, lourd. Et j'ai bien commencé par 3 séries de 8 répétitions en traction. Sur certaines vidéos de ma chaîne, on m'a déjà dit que je vais trop vite dans mes séries et répétitions. Comme par exemple ici, quand on a fait le oiseau halter avec les 2 prises, j'ai mis volontairement de la vitesse pour donner à mon corps une intensité et pour me réveiller aussi, tu vois, parce que je suis KO, je suis mort. Et pour moi, c'est la meilleure façon de bien m'échauffer. Vitesse plus charge légère, pour moi, c'est le meilleur combo. Bûcheron halter, j'ai pris 20 kilos. J'ai pas pris très lourd, mais on va travailler d'une façon bien spécifique, histoire de bien sortir son dos et pas faire n'importe quoi, dû au manque de force et la fatigue. On va se faire 8 répétitions avec 2 secondes de contraction et 8 répétitions sans tempo, sans rien. Donc ça va faire 16 reps, chacune unilatérale. Normalement, ça va bien me fumer. Ça se passe bien. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. L'autre côté. Allez. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 8-8. Parfait. Par contre, ça tue. Hein. Ça tue pour de vrai. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Par contre, le temps, il passe. Le temps, il passe. Ça fait vraiment mal. J'ai ramené 2 haltères de 10 kilos après pour balancer des élévations latérales. Comme ça, je fais un petit rappel épaule en même temps. Allez. Commencez par l'autre côté. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9. Je devais en faire 8. Allez, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Allez. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7. Allez. 1, 2, 8. Comme tout à l'heure. 1, 2, 9. Oh. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Oh. Oh. 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, carré, on est bien. Bon, c'est une dernière. Après, on pourra avancer. 22h14. Ça avance vite. Ça avance vite. Je sais même pas si je pourrais faire une vraie séance. Mais les exercices que je vais prendre, je vais essayer de faire une petite séance la plus constructive possible pour moi. Parce qu'il y a des séances que malheureusement,
tu peux pas avoir le bon timing tout le temps, mais tu peux l'optimiser en fonction de ton niveau, ça c'est important. Je me pose un peu, je souffle et je repars pour la dernière. Franchement, je suis content parce que le dos, c'est là où je commence à mettre vraiment lourd. Je commence à être bien, donc je ressens bien. Franchement, je suis content parce que le dos, c'est là où je commence à mettre vraiment lourd. Je commence à être bien quand je suis en forme et j'ai hâte de refaire une séance dos à pleine puissance. J'ai vraiment hâte. Allez, on y va. Dernière. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Une, deux. Six. Une, deux. Sept. Une, deux. Huit. Ok. Une. Deux. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Ouais. Six. Ouais. Sept. Huit. Ok. J'ai plus mal du côté droit que le côté gauche. C'est bizarre. Allez. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Ok. Une, deux, trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8. Ok. 20 reps. Élévation latérale. Oh. Ici. Très peu de gens s'entraînent comme ça. Très peu de gens se font mal. 1, 2, 3, 4, 5. Comment? 6. Ouais. 7. Allez. 8. C'est rien. 9. C'est rien. 10. 11. Continue. 12. 13. Allez. 14. 15, ouais, 16, allez, 17, 18, 19, 20, parfait, très bien, très bien. Oh. Par contre, les poulets sont prises, machine d'eau unilatérale, elle est prise. Ah, ça va être dur. Sachant que les gens sont sur des machines, ils parlent, ils discutent, c'est très très compliqué. Vraiment compliqué. Prochain exercice, ça fait longtemps. Rowing. On va se faire un rowing à la barre. Il y a, la barre, elle fait 20 kg, deux poids de 15, 30, 30, 40, 50, 50 kg, ça va. C'est tranquille, je prends de mon énergie gel maintenant. Comme ça, sera fait. Et on va se faire en bicep avec élévation frontale aux haltères. 12,5 kg. Je vais voir normalement. C'est pas très lourd, enfin c'est lourd mais ça va, parce que je voulais faire en rest pause 2 secondes et façon frontale. Donc 15 reps en rowing, c'est pas trop lourd, 15 reps que ça en est bien, et après élévation frontale. Rowing, moi j'ai une posture qui est propre à moi et aussi due à ma souplesse que j'ai gagnée avec ce mouvement. Je vais te montrer ça. Déjà, ce que j'aime bien faire et ce qu'il faut faire, c'est commencer comme si tu faisais un soulevé de terre, comme ça. Hop, tu mets bien ton corps en arrière, comme ça. Moi, j'aime bien me baisser, comme ça. Et j'y vais. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Oh. Ah, ça fait mal. C'est lourd, ça fait mal. Et je suis obligé de mettre de la vitesse un peu. Mais ça qui est bon. Maintenant, 10 répétitions. Une, deux. En frontal. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Allez. 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 5, allez, 1, 2, 1, 2, 6, allez,
Une, deux. Une, deux, sept. Comment? Une, deux. Ouais. Une, deux. Vite. Allez. Une, deux. Une, deux. Neuf. Une, deux. Une, deux. Ok, dix. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, ça tue. Dinguerie. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme j'ai un rythme de vie qui est assez compliqué, que ce soit avec mon travail, avec mes tournages, avec tout ce que je fais dans la vie, et ce que je te propose sur YouTube, j'essaye de m'adapter, de fournir des séances différentes, à chaque fois dans ces bulk days. Parce que moi, je vais de m'entraîner, enfin, je vais d'adapter mes séances en fonction de ma fatigue, en fonction de mes jours. C'est très compliqué. Mais je suis content. Franchement, je suis content. Là, je me repose bien et je repars. Tranquillement, pareil, trois séries. Allez, c'est parti. Deuxième, 23h28. J'ai pas bien récupéré, mais je vais envoyer. Je vais envoyer. Comment? Fais ça bien, comme j'ai dit. Oh, plus petit soulevé de terre, dos en arrière. On se met bien et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq. Comment? Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Oh. Allez, pas fatigué. Arrête de faire semblant. Allez, une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux, deux. Allez, une, deux. Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, quatre. Comment? Une, deux. Une, deux, cinq. Ouais. Une, deux. Une, deux, six. Une, deux. 1, 2, 7, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 10, parfait. Oh. Oh. Ok. Je prends une petite minute 30 de repos. Et on repart pour la dernière, faire ça bien. Allez, c'est parti. Dernière. Je me suis reposé 2 minutes au moins. Je sens même pas. Je sens même pas que je me suis reposé. Une dingue. Allez, fais ça bien. T'es pas fatigué. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15. Oh. Oh. Ouh, allez, frontal, c'est rien. Valide, 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 valide. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Une, deux, deux. Une, deux. Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, quatre. Une, deux. Une, deux. Cinq. Une, deux. Une, deux, six. Une, deux. Une, deux, sept. Une, deux. Une, deux, huit. Une, deux. Une, deux, neuf. 1, 2, 1, 2, 10. Franchement, le tempo en frontal, là, à la fin, là, je le tiens plus. Je le tiens plus. Oh, j'ai mal. J'ai mal, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Vraiment. Oh. Je vais décharger et je vais voir ce que je fais après.
On va faire du shrug aux haltères. Tranquillement, j'ai pris les 20 kilos. Et élévation latérale en superset. Je crois que je vais aller à 30 répétitions. J'ai pris 6 kilos pour l'élévation latérale. Et 20 kilos pour le shrug. Parce qu'honnêtement, toutes les poulies sont prises. Et tout est flemme de tourner quelqu'un, de déranger quelqu'un dans sa fin de séance. Mais nous, on va faire ça bien. Allez. Pour les shrug, on va compter 2 secondes de contraction. Et pour l'en arrière, on va. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Après, je vais monter, je vais dézoomer la caméra parce qu'on ne voit pas les haltères en shrug. Et passons latéral, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, allez, 27, 28, 29, 30. Wow. Je suis mort. Mais c'est bon. Très très bon. Là, il est 22h41, donc je vais speeder avec le temps là. Donc, j'ai juste le temps de dézoomer pour avoir un angle plus grand et je repars direct. Allez, c'est parti. Deuxième. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Allez. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Oh. Au-delà des shrugs, le plus dur, c'est les 30 reps pour les épaules et bassin latéral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, allez, 28, 29, 30. Parfait. Dernière. Franchement, je suis explosé, mais c'est pas grave. Oh. Vas-y, je vais boire. Je laisse la caméra tourner. Et je prends pas. C'est chiant de venir le soir, mais le soir tard, hormis les week-ends, c'est le seul moment où je peux filmer, être tranquille, entre guillemets, il y a du monde, mais je peux être tranquille pour filmer sans déranger le monde. Et je peux m'entraîner, proposer des séances, des immersions, et c'est bien, franchement c'est bien. Mais le temps, malheureusement, passe trop vite. Allez, c'est parti, derrière. Voilà. C'est lourd, hein. C'est lourd. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Très bien. Oh, putain. Allez. 30. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, allez, 24, 25, 26, 27, allez, 28,
9, 30. Ok, parfait. 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 Peut-être que pour le kiff, juste pour le kiff, on va faire un escalier biceps. Juste pour être conditionné, juste pour faire une petite photo sur un simple story pour mettre séance down. Ok. Donc, je vais ranger les 20, je vais ranger les 6. On va prendre soit 10 kilos, soit 12 kilos. Je crois qu'il y a 12 kilos 5. On va les prendre et faire un escalier cool. J'arrive. Franchement, mes bras sont améliorés hein, un peu. Enfin, j'ai séché au niveau des bras. C'est incroyable. Même mon bras gauche, je l'aime bien maintenant. Avant, je ne l'aimais pas. Maintenant, je l'aime bien. L'escalier qu'on va faire, c'est un escalier en supination. Ok. On va rester comme ça. Pour avoir une bonne tension sur les biceps. Une répétition. On compte 2 secondes. 2 répétitions. On compte 2 secondes. Jusqu'à 10. Ok. Allez. On y va. Tout en spinaçon. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 5. 1, 2. Allez. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose. Jusqu'à 10. Mais faut que je récupère. Faut que je récupère. Une break tire, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Allez. Il me manque 8, 9, 10. 8, 9, 10. Les plus durs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je suis obligé de poser. Ça me tire trop. Il manque 9 et 10. Allez, 9 et 10. 9 et 10. Oh. Fais ça bien. Ça bien, après on rentre à la maison. Allez. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, très bien. Dernière, last. Dernière. 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 Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est là où tu te dis, les gens chargés, tu vois. Eux, ils ont un avantage de fou. Les douleurs musculaires que tu as là, ils les ont. Mais quand ils vont vraiment chercher très très loin. Moi, je vais pas chercher loin. Hein. Je suis déjà bloqué. C'est incroyable. Dernière. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'aurais dû prendre 10 kilos. Ça serait mieux. Même si que 12,5 c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était lourd, ça m'a fait du bien. Oh. Je me pose. Je range les haltères. Et je reviens. Bon, c'était un petit bulk d'aido pour moi. J'ai fait les choses bien, je me suis bien entraîné. J'ai mal, ça va. Même si que, honnêtement, j'aurais pu aller plus loin encore derrière. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je suis très content, je suis fier de moi. Demain, on va se réveiller encore à 4h30. On va faire pareil. On va aller au travail, on va se reposer.
Voilà la salle. Ainsi de suite. Et puis voilà. En tout cas, merci de suivre cette série Bulk Day. Merci pour les commentaires, merci pour les j'aime. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.